Bonjour à tous, c'est Geoffrey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler principalement du goûter en chrononutrition. Alors, le goûter, on le fait à quelle heure, quand, pourquoi, comment, les risques si jamais on le prend au mauvais moment, tout ça, tout ça. Alors, le goûter, déjà, il y en a pas mal qui pensent que c'est le point de la journée où on va consommer du sucre, c'est le cas, c'est principalement le cas, de manière générale. Après, le goûter, il a un rôle bien précis en chrononutrition, c'est-à-dire que le matin vous avez le fromage, à midi vous avez la viande, en fin de journée vous avez les sucres. Pourquoi? Parce qu'en fin de journée, c'est là, après les 5 heures où vous avez mangé votre repas du midi avec de la viande, c'est là que vous avez votre pic d'insuline et qu'il va falloir justement amener un sucre ou, on va y revenir après, une protéine qu'on appelle le tryptophane qui se transforme en sucre et qui est un peu mieux, j'en parle tout à l'heure, mais c'est à ce moment-là qu'on va ramener à un apport de sucre. Pourquoi un apport de sucre? Ben justement parce qu'on va avoir à ce moment-là, en fin de journée, cette espèce de pic d'insuline. Quand est-ce qu'on prend le goûter? Alors c'est idéalement 5 heures après le repas. Mais alors ça, c'est vraiment entre parenthèses. Parce qu'un goûter, ça se prend uniquement au retour de la faim. Déjà pour éviter le stockage, parce que si vous prenez le goûter alors que vous n'avez pas encore faim, le corps il va tout stocker. Et imaginons que vous avez mangé à midi un gros repas, vous avez mangé vos 280 grammes de viande, vous avez très faim, vous en avez même repris. Et vers 4h30, vous vous dites, ah, ben, après, j'aurai plus le temps de manger mon goûter, alors je vais le prendre maintenant. Ça va vraiment pas fonctionner. Ce que le corps il va faire, c'est qu'il va le prendre, il va le stocker, et même une demi-heure après, si une fois que vous aurez fini de digérer votre repas du midi, vous allez avoir votre pic d'insuline assez important, c'est là que vous allez avoir l'envie de sucre, justement, que là, il va falloir l'apporter. Si jamais vous le faites avant, c'est catastrophe. Voilà. Donc, ça, c'est le goûter, en fait, c'est un point clé à surtout pas prendre avant. Avant le retour de la faim. Alors, pour pas faire cette erreur, il faut vraiment vous dire est-ce que j'ai faim, pas est-ce que j'ai envie. Alors, ce qui peut se passer dans certains cas, c'est que quand on mange trop de féculents le midi, on a déjà un pic d'insuline 2 heures après. Et donc, du coup, une espèce d'envie de sucrer. Alors que ça correspond pas du coup, ça ne correspond pas du tout au goûter. Cette envie de sucrer, elle vient du fait que vous avez consommé trop de sucre le midi, trop de sucre lent, trop de féculents, et du fait que votre insuline, eh ben, elle n'arrive pas à gérer, et du coup, 2 heures après, vous avez une envie de sucrer alors que vous n'avez même pas commencé la digestion. Alors ça, c'est vraiment un point clé qu'il faut vraiment, entre le déjeuner et le goûter, il y a vraiment un espace à respecter, et au goûter, il faut vraiment attendre d'avoir faim, et cette faim, elle viendra que, pas cette envie de sucre, mais cette faim, elle viendra que si vous avez bien respecté vos proportions. Du repas de midi. Donc je rappelle, les repas de midi, c'est vraiment, si on parle de proportion, c'est 75% carnivore et c'est vraiment maximum 25% végétal de féculents, de légumineuses, pardon. Alors, en féculents, légumineuses, en chrononutrition, le midi, on préfère toujours prendre des légumineuses. Alors, pour le goûter, alors, bien sûr, on attend le retour de la faim, ce qui veut dire que même si vous avez mangé à midi et qu'il est 6h30 du soir, si vous avez faim à 6h30, c'est à ce moment-là qu'on pourra le goûter, même s'il y a plus que 5 heures après. Par contre, s'il y a moins que 5 heures, si vous avez commencé à avoir faim vers les coups de 4 heures, c'est que le midi, vous n'avez probablement pas assez mangé. Ça, c'est une chose. Ensuite, le goûter, c'est un apport de sucre. Oui, mais pas n'importe lesquels. C'est certainement pas un apport de matière amylacée, c'est-à-dire comme les biscuits, les gaufres, c'est-à-dire un apport de sucre lent et rapide. J'en reviendrai dans une autre vidéo pourquoi, mais c'est surtout pas un assemblage de tartines ou de gaufres ou de crêpes ou de choses comme ça. Le goûter, il a été défini en chrononutrition avec un gras végétal qui permet de baisser l'index glycémique du sucre qu'on va manger. Le sucre qu'on va manger, c'est un sucre naturel, un pur sucre naturel, c'est-à-dire soit un fruit, soit ça peut être de temps en temps autorisé les bonbons caramel, etc. Mais surtout pas des choses qui contiennent des graisses animales comme les chocolats de fantaisie belges ou c'est quelle autre chose qui contiennent du beurre, du lait en poudre, etc. Voilà, donc c'est vraiment, on part à la base de fruits, c'est là qu'on va placer les fruits. Certaines personnes demandent quand est-ce qu'on va manger les fruits. Alors fruits, fruits secs, et de temps en temps en période de fête, les marrons glacés, les loukoums, les calissons d'aigle, c'est délicieux, mais de temps en temps. Parce qu'à la base, la chrononutrition, c'est vraiment pas fait pour, c'est vraiment proche du paléo, donc c'est pas fait pour manger, de se gaver d'une tonne de sucre. Donc ça, c'est une chose. Ce qu'il faut aussi bien savoir, c'est que le goûter, même s'il est fait à l'heure où vous avez faim, vous vous dites là j'ai bien faim, il faut absolument pas l'augmenter. Ça c'est un point clé, il faut absolument pas augmenter le goûter parce que c'est du sucre. Donc du coup, même si vous faites une chrononutrition correcte, si jamais vous augmentez votre goûter, ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que le goûter c'est du sucre, donc ça va se caler dans les poignées d'amour, ça va se caler au mieux
dans une stéatose diffuse. Et au pire, on va l'avoir, on va la retrouver sur la prise de sang au niveau du diabète. Voilà. Donc, c'est pas parce que c'est l'heure du goûter qu'il faut abuser avec le sucre, c'est vraiment pas la bonne idée. C'est pour ça qu'on a décidé, en chrononutrition, qu'on pouvait même ingérer, à cette heure-ci, au lieu de manger du sucre, on va pouvoir, dans certains cas, manger la double part de gras végétal, c'est-à-dire la part de noix, noisettes, etc. On peut manger double part de ça en évitant les fruits et les sucres. Ou alors on fait un goûter normal en mangeant la part de gras végétal et les sucres, ça je reviens pas dessus. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est amener un grand apport de tryptophane, donc c'est une protéine, la protéine qui est principalement présente dans le lait. Vous allez me dire, le lait, c'est pas. Oui, c'est principalement présent dans le lait, mais elle est également présente dans le fromage, c'est pour ça qu'on en mange en grande quantité le matin, et aussi dans la protéine de lait. Alors, on a des barres chrono, qu'on appelle les chronobars, qui sont faits à part de ça. Personnellement, j'utilise, comme je vous ai toujours dit dans mes vidéos, je mets même le lien en dessous, les protéines de chez Foodspring, parce qu'elles sont vraiment bonnes et qu'elles sont vraiment, il n'y a vraiment pas de cochonnerie dedans. Alors, elles sont un peu chères, mais au moins, on peut en prendre tous les jours sans risquer d'avoir des boutons, des problèmes de foie, des problèmes de pancréas, des problèmes de peau, etc. Parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment une barre qui est clean de chez Clean. Foodspring fait vraiment des bons produits. Alors moi je vous mets le lien en dessous comme d'hab si vous voulez aller voir. Après ça peut se trouver en magasin. Moi j'habite près de l'Allemagne donc du coup au DM ça se trouve facilement. C'est une barre qui vaut à peu près de... qui vaut un peu moins que 3 euros la barre. Donc on peut la... c'est une barre de 60 grammes, on peut la couper. On peut aussi prendre des protéines en poudre. Moi je conseille vraiment la marque Spring Food parce que Foodspring pardon parce qu'elle est vraiment il n'y a vraiment pas de cochonnerie dedans. Donc cette barre là on peut la prendre. Alors, on peut prendre toute autre barre de protéines qui ne contiennent pas de sucre et qui ne sont pas des barres de céréales, j'insiste bien, ce sont des barres de protéines et surtout de la protéine de lait. Donc on appelle ça la whey. C'est ce que les sportifs et les bodybuilders appellent la whey. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut prendre de la whey. Et ce qui est une très bonne idée puisque la whey, qui est la protéine de lait et qui contient pas mal de tryptophane, le tryptophane étant la protéine qui se transforme et en gras et en prot et en sucre, selon ce que le corps a besoin. En fait, le corps en fait ce qu'il veut. Voilà, donc vous avez, alors, on reprend, à l'heure du goûter. Donc l'heure du goûter, c'est pas une heure, on se fixe pas une heure, on se fixe jamais une heure, c'est au retour de l'appétit. Au mieux, plus que 5 heures après, ce qui vous permettra de bien comprendre que vous avez bien mangé votre part de viande. Si c'est beaucoup moins, c'est que vous avez mal géré votre déjeuner. Alors, au retour de l'appétit, le gras végétal et le fruit, s'il est beaucoup trop tard, on enlève, plus il est tard, plus on enlève les sucres. Donc vous pouvez prendre double part de gras végétaux, donc d'amandes, noix, noisettes, etc. Ou au mieux, vous pouvez prendre une barre de prot. Sachant qu'une barre de prot, si vous la prenez vraiment sans sucre, elle peut se prendre n'importe quand dans la journée. Voilà, donc je pense que j'ai rien oublié. Et au pire, je ferai une autre vidéo. J'espère que j'ai été assez précis dans mes explications. N'oubliez pas, je fais aussi des consultations en visio. Je réponds toujours à mes mails, je réponds toujours à mes commentaires. Vous pouvez retrouver mon mail juste en bas dans la description. Sinon, vous pouvez vous abonner ou me laisser un petit commentaire. Je réponds toujours aux commentaires, même si c'est des questions pour vous-même, je réponds quand même. Il commence à pleuvoir. Dans ce cas-là, je vous souhaite une bonne fin de journée, vu l'heure. Et à bientôt. Au revoir.